Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. C'est pas comme mon habitude, hein, Call of Duty. Là c'est tout simplement sur le nouveau GTA qui vient de sortir. Donc déjà sachant que j'ai joué que à GTA San Andreas, j'ai pas touché au GTA 4. Ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que voilà j'ai plus touché à aucun GTA. Donc si je comprends pas trop dès le début, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ok, donc le gameplay je le découvre en live avec vous. Là vous pouvez normalement vous entendez les touches des manettes. Donc là apparemment on doit faire un braquage. Bouge pas, je m'occupe du plastique. Te fais pas sauter. Vise le sage pour les faire bouger. Hop. Ouais, je crois que c'est un braquage qu'on est en train de faire là. Oh non, non. Oh non. Donc là, c'est la première mission. Hein. Dès que vous lancez le jeu, à part l'installation, c'est direct la première mission. Appuyez pour apparaître le téléphone. Utilise le téléphone pour déclencher les explosifs. La détonation. Elle est bien faite quand même. Enfin, pour l'instant, de l'intérieur. On n'a pas encore vu l'extérieur. Les lieux sont indiqués par en rond orange sur le radar. Un jeu là. Allez, là, la porte. Ils sont demain en train de faire un braquage. Lui, il marche tranquille. Hop, vite, vite, vite. Voilà, c'est là. Accélère. Prenez l'argent. Butin, 2004 dollars. Il y en a assez. Pas pour toi. 95 000 dollars. 179 000 dollars. Vas-y, bouge. On ressort Brad. Il a paru quand ce... Donc, une chose tous les jours. Si j'étais droit, j'ai pas pu lire. Donc maintenez la flèche du bas pour changer de personnage et voir ceux qui sont disponibles. Donc là j'ai deux persos là. Ah c'est cool ça, je crois on peut changer de personnage à chaque fois. Moi je pense que c'est tout dans la mission. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai vu qu'on pouvait accélérer s'il te plaît. Ouais c'est X, j'ai oublié. Donc moi j'ai lu apparemment qu'on choisit son perso. Il y avait un noir et deux blancs. Mais le problème c'est que j'ai rien choisi du tout. On peut se raider pour vous mettre à découvert. Vas-y mets-toi à découvert. Vas-y viens. Là, voilà. Je pose l'explosif 5 minutes, raccrochez-vous. J'espère que vous allez entendre le son du jeu, sachant que moi je n'entends pas. Ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sauront pourquoi. Simplement parce que mon triton, il se branche pas à la play, mais à la télé. Moi personnellement j'entends, mais j'espère que ça ne dérange pas vraiment. Ok, appuyez sur RV pour vous mettre à couvert. Ah c'est chaud par contre la science. Faut pas faire exploser la voiture. C'est vos supérieurs qui vous ont fait venir. Et nous le point. C'est sûr parce qu'il n'y a pas de visée automatique. Ah si. Vous êtes, Ouais bah, ça va c'est pas bon. Don't be an idiot. Vas-y bouge toi. Ah mitraille, depuis tout à l'heure je suis en coup par coup. C'est bon, y'a plus personne là. C'est bon. Voilà. Get out of here. Ok, carré sauté. On doit faire quoi? On prend une voiture.
any more cops in this town! Bring them! This is fucked, man! The thing is full! I got my share! It's still wide open! Cars up here! Let's go! Come on! The kid might have failed! This wasn't in the job description! Je me cache derrière la voiture. Il n'y a pas de grenade là encore. Personnellement j'aurais bien offert un double commentaire avec un ami à moi perso. Il y a que moi qui a le jeu encore. Hop. T'as encore des keufs. On peut pas rentrer dans la gauve là. Rejoignez la voiture. Quelle voiture? Allez. Encore des keufs. Oh puis il n'est même pas sorti. Ah les aussi ils sont morts. Hop carrément va cool c'est moi qui conduis. Oh c'est pas moi c'est... Moi je veux pas les... ce blanc, moi je veux le noir là. Put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a real stout. Fuck, how'd that happen? Go! Fuck! That's gonna be a little more shit. Jeez, I think you're gonna... Oh, fuck! Fuck, the yokel's body! Guy's a dick! Ah là c'est cool là, c'est moi qui ai fini. Alors, keuf. Par contre je sais pas si on a le droit de... Oh là c'est moi. Là c'est moi là. Oh là c'est clair, c'est pas comme pour ça. On doit aller où là? Il reste 600 mètres presque. Je sais pas comme dans son Andreas, son Andreas c'est dérapé avant juste avant de carrière. Pourquoi c'est un tracteur? Là, vous avez vu là, la mini-carte en bas à gauche là? C'est en 3D presque. Enfin 3D sans les bâtiments. Guys, all right. Ah ouais, par contre j'espère que je vais être dans la ville après. Ils ont fait un bled perdu là. La campagne. Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Oh, ce putain d'hélico. Ah, c'est cool ça. Je vais conduire un hélico. Allez hop. Un moment. Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck. Et malu, Brad s'en sortira. I'm hit. Oh, Jesus. C'est moi lui. Key, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Trevor. God, I'm not gonna be. Fucking gonna bleed out. Puce-le-en. Attends, moi je veux pas Trevor, il est une vieille gueule, moi je veux le noir. Il survivra de l'action et qu'il repousse les filles. You... Bon, c'est pas très dur. Visée automatique. Direct. Recharge. Die, you cocksuckers! Ah ça va là, je peux faire exploser les... Go. You fucking cocksuckers. C'est quoi pour recharger? C'est bon. Ils sont deux, c'est bon, non, je l'ai. Je l'ai canuté. Par contre, je trouve ça bizarre, parce que normalement, ça... Ça se passe dans la ville, le truc, là. Je sais pas pourquoi ils m'ont têché dans la campagne. Maintenant, il y a des banques dans la campagne. Ni même un bon citoyen. C'est qui, ça? Je
crois que c'est les deux qui sont morts. Ah oh non, non, je suis fou, des bandits sont morts à l'enterrement comme as. Alors, Rockstar Game. Ah, c'est maintenant que ça commence! Putain, moi je suis con, j'ai cru que c'était le jeu depuis tout à l'heure. Y'a pas de start ici là? Menu pause. Attends, c'est le jeu. Info. Ah, mission prologue. Ah, ok, j'avais pas compris. Prologue, c'est juste le début, ça, c'est avant le. Ok, bah c'est cool ça, donc on a encore rien vu. Que tu. Ok. Donc, moi personnellement, je sais pas si je ferai un let's play hein, sur GTA, parce que moi j'y joue pour le plaisir, je joue pas pour. C'est pas comme Call of Duty par exemple. Call of, on va dire que c'est pratiquement toujours la même chose. Alors que GTA, non. Ce n'est pas toujours la même chose, ça change des fois. Je sais pas du tout si je ferai de. C'est possible que j'en fasse, hein, si vous en voulez, si vous en voulez pas. Pas de problème. Si là en ce moment, c'est. Quand je parle, il y a des petits blancs. C'est normal, je découvre le jeu en même temps que vous. Quand je ferai de let's play, vous voyez, je sais déjà ce qui va se passer. Et tout, j'organiserai des trucs. Ah, voilà, donc là, enfin, on est dans la ville. Ah, bon, garçon, je crois que je vais augmenter un tout petit peu le son de la télé. 9. J'espère juste que vous n'allez pas entendre à travers le micro. Sinon, ça va vous faire un double son et comme ça va être décalé, ça va être moche. Written by Dan Husser. Toutes ses yeux qu'il a lu. On dirait Ozil. À son âge. Ça va, il est bien fait quand même graphiquement. Du peu que je vois là dans la ville. And you consider them achievements. Là, je sais pas si je fais X ou pas. Sachant que j'ai pas envie que le truc dure trop longtemps. Hein. Là, ça fait déjà 12 minutes. Moi, je vais faire 15 minutes au maximum ou 20 minutes. Avec une grosse baraque, un bon gamin, un bon rien. Même si, un qui se fout. Ouais, ça passe trop vite, j'ai pas le temps de lire. Let it all out. Vas-y, au pire, je recommencerai ça tout seul pour finir. Pour pas trop. Voilà quoi. Pour vous avoir un petit peu de surprise. Ah, voilà, là j'ai le noir. Ça, c'est cool ça. Terra, en plus, il ressemble un peu au gars de. On sait plus si son Andreas est un noir ou pas. Son majeur black. Oh! Oh, GR8. C'est notre GR8 ça. 1, 2, 3, 4, ouais. You always was old choosy motherfucker. Il fait le gars avec sa vieille gueule là. C'est notre GR8 ça. Oh, c'est un mat décapotable tout. Prends-toi décapotable. Ok, lorsque vous êtes à l'arrêt. Ok, le GR8. Imitation au GR8. Moi j'avoue, il me l'a mise. Ah, par contre, je prends une sensibilité que après je vais. Ouais, pas. Wow, wow, la voiture elle patine trop quand même. Oh là 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 là, putain, je vais déjà avoir la police direct. Ouais, elle patine trop la voiture. J'ai déjà des codes là, je trouve sur Twitter. Je vais pas les mettre maintenant. Ah, mon voiture. Tu vas m'en faire le malin là. Putain. Il est parti où là? Ah, à droite, heureusement, il y a la mini-carte. Ah, ça va, franchement, il est bien fait le jeu. Il n'y a rien à dire. Putain, là je fais de la merde. Je crois que je vais recommencer la mission si je continue comme ça. Tu là? Ah, Zarma dans un studio de cinéma. Et lui m'ouvre le portail. Yeah, yeah, yeah.
Mais je sais pas, faut que je fais quoi, je crois faut que je le rattrape, mais d'où? Putain, la mémoire, j'aurais jamais encore mis. T'as la honte, j'arrive même pas à conduire une voiture dans un jeu. Ah ouais, la sensibilité faut. Wow wow. La sensibilité. Wow. Ouais, ça patine trop. C'est un truc de ouf. Dommage, j'ai pas marqué les... Wow, wow. Pourquoi je suis descendu? Ah merde, j'ai cru que. Parce que dans le Grand Turismo. Échec de la mission. Franklin a perdu la mer. Putain, parce que dans Grand Turismo, je crois qu'il faut appuyer sur triangle pour... Bien sûr, essayer. Faut appuyer sur triangle pour avoir le compteur de la vitesse et tout. J'ai cru que c'était la même chose. Là, je crois que ça doit être R3, un truc dans le genre. Par contre, je veux pas cette vie égo. Moi, j'en veux une autre. Ouais, j'ai pas de choix. C'est bon, je suis là, ça va. Ouais, la disquette, c'est quoi ça? Regarde, regarde, c'est quoi ça? Putain, ça patine, ça vole. Putain, la vie de ma mère, là, vous croyez? Vous allez voir quand vous allez... Si, y en a qui achètent les jeux. Vous allez voir comment c'est chaud à conduire les voitures. Ah, je crois, ça y est, j'ai trouvé... Non, en fait, j'ai rien fait. J'ai cru que j'ai trouvé. À droite, à droite. Oh, il me le dit, il y a la mini-carte en bas. Ouais. La course dans un garage. Putain. Putain, là, je fais de la merde, j'arrive pas à conduire. Vas-y, j'écrase des arbres, normal. Il est parti où? Il est parti où? Ah, voilà. Putain, c'est critique, là. Oh, par là, j'espère que... Putain, c'est pas un cup, j'espère. Ah, voilà. Attends, regarde sa gauve, regarde la mienne. Finally, bitch. When you gonna learn how to move something? I'll show you how to move something, nigga. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paper. Les papiers. Quel papier? Regarde ma gauve, mais tu vois les papiers. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Mais je fais quoi là? Oh putain, ça commence pas. Je dois aller où? Je crois que je dois aller semer. Putain, moi il me faut une autoroute pour que je puisse aller tout droit là. Avec les virages. Oh oh! Vous pouvez contrôler le véhicule dans les airs. Ah ok, j'ai fait. Putain, j'espère que je... Saut unique raté, il y aura 50 sauts. 50. Ah non, c'est déjà, je crois que t'as une seule chance. Si la police ne voit pas l'indice de recherche qui met au champ de visu. Putain, merde, merde. Putain, là, une merde, là, je fais de la merde. Pour effacer l'indice de recherche, restez hors du champ de vision des policiers jusqu'à ce qu'ils descendent. Jusqu'à ce qu'ils cessent les recherches cachées dans une ruelle ou dans l'ombre. Putain, là, je regardais pas quand je conduisais, puisque genre. Putain, ça va, là, c'est ça qu'il me faut, des grandes autoroutes, sinon je vais galérer à fond. Là, y a quoi, y a un saut? Tiens, on va le faire. Je pars atterrir dans l'herbe. Ah ouais, c'est bon, en fait tu contrôles ta voiture dans les airs. Saut unique réussi. L'emplacement de sauvegarde automatique contient déjà une sauvegarde. Écraser les données de cet emplacement pour la production actuelle. Bah oui. Vas-y, il m'arrête dans ma course juste pour sauvegarder. Ouais, c'est quoi ça? Il n'y a pas besoin de faire de ralenti pour ça. Plus je vais quand même.
Ivresse 49 cascade, unique à réaliser. J'ai 2 étoiles, putain, faut que je fasse disparaître. Mais je crois faut que j'aille dans les... Je sais pas si vous voyez les trucs où on repeint les voitures là. Normalement ça, ça marche, enfin dans son arrière. Putain, attends, je fais pas de la vie, il y a des keufs dedans. Pas un truc où sauter là. Attends, j'ai... Ah là, il y a... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ramener la voiture à la concession. Qu'est-ce que je ramène à la concession? Échec de la mission. Une des voitures était détruite. Réessayer. Bon, je réessaye une dernière fois. Après, je pense que je vais stopper ici. Ça bug ou quoi? Ah non, c'est bon. Ok. Putain, comment sont cool les gaufres des flics. La concession, elle est où? Attendez, je crois faut que je fais start. Carte. Concession C ou pour zoomer? L2, R2. Concession, elle est où? Il me dit ramène la concession. Je crois... je vais la trouver, moi. Je la trouve pas, la concession. Bon, je regardais en bas à gauche, chaque fois que je bouge, ça me sort un nom de rue. Pixball Little Seoul. Putain, je vais galérer, moi. Bon, allez, on va rouler. Ils sont les sensibles, là, je vais changer. Hop. C'est des Dodge, je crois. C'est... Mais je crois qu'il n'y a aucune vraie marque de voiture. Une imitation. Ouais, c'est des Dodge, ça. Alors, on va conduire en marche arrière. Pour effacer un disque de recherche, ouais, rester hors du champ, vas-y. Ah, voilà, c'est ça qu'il me faut. Les trucs tout droit, ça bouge pas. Par contre, faut que je reste au milieu des... Oh là là. Faut que je reste au milieu des pointillés là. Comme ça je perds que de rien. Parce que vous allez voir, hein, franchement c'est chaud avec cette voie, avec cette go. Je sais pas l'autre, il a fait un barrage là-bas. Là qu'est-ce qu'il y a à droite? Non, faut pas changer, sinon je vais aller. On va aller par là, on va voir. Los Santos c'est cool quand même. Moi je voulais aller building là. Ah, franchement, sinon il est bien fait le jeu là. Y a rien à dire dessus. Enfin, évidemment, je trouve des trucs à dire. Enfin, on a tous trouvé des trucs à dire. Hop, marche arrière. Oh, putain, j'ai raté complètement. Non, mais non, elle va prendre feu la voiture. Ah, bah non, elle se retourne toute seule. Ah, ça, je pense que c'est que dans la mission et j'espère. On va trouver des critiques, ça c'est sûr. Hein. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, franchement, il est bien, il n'y a rien à dire. Juste un petit peu son prix excessif quand même. À Micromania, il a 70, non, Auchan, il a 50. À Carrefour, je crois, il a 45. Donc, excessif quoi partout. T'es mal... Ouais, vous avez vu derrière là? Il fait quoi lui? Putain, on voit pas là. C'est une maquette ou... Ah merde, putain, il me tire dessus. Il y avait un gars, il était accroché à un panneau. Je crois que c'était fait exprès. Par... Ouais, mais il fait quoi lui? Ça le bouffon. Ouais. C'est pas con. Je parle de conduite. Ouais. Olé. Je vais mettre 2 étoiles. Je savais pas pourquoi j'ai 2 étoiles, j'étais en train de rouler dans une voiture pour mettre 2 étoiles. Quand tu tiens un truc, t'as pas 2 étoiles. Ouah, c'est un truc de fou, ça patine trop. Et hop, 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 hop.
retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence. On est des fous, hein. C'est même pas une bande d'arrêt d'urgence. Hop, on va mettre de l'essence. Hop. Essence, essence. Et on repart. Voilà, je vais prendre hop, cette route là. Comme ça, je vais. On monte un petit peu dans la montagne. Là. Attends, ça va. En fait, je pense que c'est pas. C'est que la voiture, elle va. Beaucoup trop vite. Et encore, si. Oh merde. De ces vis que j'en ai. Si dès le début du jeu, les voitures rentrent comme ça, j'imagine pas après. Ça va là, j'aimerais bien jouer quand même. On reparlera tout à l'heure, bien sûr. Putain. Recule vite. Allez, on va prendre ça. Ah non, il me faut l'autre là. Elle est au-dessus. Ah non, là, c'est. On prend ce côté-là. Putain, moi, je cherche les grands bâtiments. Je sais pas, ils sont où. Les grands axes. C'est un record, je crois que ça fait 15 secondes, j'ai rien percuté. Wow, putain. C'est con que je vais les semer ces keufs là. Ah voilà, voilà ce que je cherche. Voilà, on se demande ce que je voulais faire. Je voulais passer entre les deux. Ramener la voiture au concessionnaire. Mais il est où le concessionnaire? Concessionnaire, c'est quoi déjà? Je crois que c'est celui qui a fabriqué la Go. Comme Ford et tout. Ça, des concessionnaires auto. Par contre, là, il y a des musiques. Moi personnellement j'entends pas c'est quelle musique, mais je crois qu'il y a des copyrights sur les. Wow, non. Ouf. Oh bah c'est bon en fait. Ils vont rattraper qui ici? Faut moins les voir là maintenant. Je pense pas que je peux traverser le. On tente ou pas? Non, je vais pas tenter. Donc comme je disais, il y a des copyrights sur les musiques. Donc si YouTube il pêche une de tes vidéos. Ah si, elle a réussi à passer. Avec une musique, je sais pas, Jay-Z ou un truc dans le genre. Bon, en gros, dès qu'il y a une musique qui a copyright, comme je vais cliquer. Je suis chaud quand même, vous avez vu ce que j'ai fait. Donc là, faut que j'aille rendre vite. Je vais voir si je peux monter. Là. Et donc, si il te pêche avec une musique qui a un copyright, bah, tout simplement, il paraît que il te supprime la bande son. C'est-à-dire que vous aurez un jeu, enfin une vidéo, sans bande son. Sans bande son. Ouais, c'est ça. Et aussi, je sais pas si vous savez, hein, pour les vidéos sur GTA 4, ils seront interdits de. Pour la monétisation, je crois. C'est comme ça que ça se dit. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est dire interdit de gagner de la maille sur les. Pour ceux qui sont partenaires, parce que moi je suis pas encore partenaire. Mais c'est interdit de gagner de l'argent pour. Tout simplement pour les vidéos de GTA 4. Et de GTA 5. Donc, copyright sur les. Sur les musiques, interdit de poster sur. De les passer en monétisation, c'est déjà gagner de la vidéo, gagner de l'argent sur la vidéo. Les boîtes de nuit, je crois qu'on n'a pas le droit de. Je me suis renseigné un petit peu avant de faire ça. Si jamais je rentre dans une boîte là. C'est pour ça. Et tout ça c'est interdit. Donc ok, concessionnaire pas orange, c'est bon, j'ai vu. Donc et j'ai plus d'étoiles, c'est bon voilà. Donc tout ça c'est interdit. Donc hein, moi personnellement je pense qu'il y a plein de youtubeurs qui feront pas de. Il y en a même qui veulent plus du tout acheter. Putain, fallait que je monte sur le pont là. On va monter par là.
Je suis sûr que je peux monter. Donc il y a plein de youtubeurs qui ont annulé leur... Voilà, j'étais sûr. Qu'ils ont annulé leur... Allez hop. Ils me l'ont mise. J'étais sûr que je peux monter, mais je sais pas. Je prends une sortie d'autoroute pour faire comme tout le monde. Donc il y a plein de youtubeurs. Excusez-moi si je finis pas les bras, je suis pas trop habitué en ce moment pour les lives. Donc il y a beaucoup de youtubeurs, je pense, hein, qui vont annuler leur... vont dire ouais, moi j'arrête, je fais plus de live, ça sert à rien, ce jeu je vais pas l'acheter et tout. Simplement pourquoi? Parce que c'est plus monétisé. Monétisé, voilà c'est ça. De toute façon je reviens en arrière, je suis... Perso, je m'en bats les couilles, j'étais à l'acheter pour jouer. Là, je vous fais juste une vidéo. Après, si vous avez genre, si ça vous plaît, moi personnellement, genre, je continue. Non, moi, j'achète pour le plaisir, j'achète pas pour gagner de la maille derrière ça. Après, quand le fait-on, on va pas dire, c'est la même chose. Cap du ciel, ils interdisent pas ça, sinon il y aura plus de vidéos sur YouTube. Hop, là, prochaine à gauche. Dérapage, ça on peut même pas déraper. C'est ça le concessionnaire. Voilà, c'est... Ouah, j'avais raison, je vous ai dit concessionnaire, c'est Motorsport. Voilà, c'est les gens qui fabriquent les voitures. Là, je suis heureux de le dire parce que j'ai eu... Je ne supporte pas les racistes. Pas question que je vende cette voiture. Quel tu vas vendre quoi ici? Il n'y a plus de phare, mon frère, il me dit il va vendre. Regarde la roue, regardez la roue. Ce raciste m'insultait. Je traitais personne de négro, j'hallucine, je... Je voulais pas. Je me suis dit, c'est pas cool. Carrément, parce que ce mec-là, c'est un homme d'affaires international. Je n'aurais pas dit mieux. Je crois que je vais arrêter de lire, parce que vous savez lire. Attends, on va terminer, je prends plus de go, là. C'est quoi son dire un Range Rover? Ce type là, c'est pour les mecs les vrais. Bonne idée, Lamar. Ah, par contre, les kills comme elles sont mal faites. Enfin, je sais pas si c'est mal fait, faut exprimer comme les chiens. C'est Babine qui est là, l'autre là, lui, pas lui, l'autre là. Babine à la place des lèvres, on dirait un yinche. Bon, t'es sûr d'avoir assez, d'en avoir assez dans le pantalon? Jimmy, prend le volant et prouve-le. Non, ouais, 32 minutes. Bon. Voilà quoi. Je sais pas si... Bon, allez, vas-y, la dernière. Montez dans la voiture. Bah, je prends pas celle-là, t'es fou. Me dis pas que je suis obligé de reprendre celle-là. Essaye celle-là, s'il te plaît. Me dis pas. Ah non! Putain, je suis con. Puis, oh là là, ça c'est de la gomme ça. C'est une Dodge, je crois. Allez chez Franklin. Ouais, Dodge, normalement là. Ouais, c'est une Dodge, c'est ça. Enfin, des imitations, c'est comme Audi. Ouais, je finis cette mission après direct. Déjà, c'est même pas sûr que je vous poste ce petit live, hein, puisque à ce qui paraît, peut-être, on n'aurait pas du tout, à ce qui paraît, pas du tout le droit de mettre des vidéos de GTA 5, enfin à cause des copyrights et tout. Pour ceux qui sont partenaires avec Machinima, j'ai lu ce matin sur Twitter. Ouais, de toute façon c'était vite la course, heureusement, parce que sinon ça allait faire trop de temps. Trop de... Attends, non, c'est Corvette, je crois, ça, la marque. Là, il y a deux drapeaux, on dirait, derrière. Ouais, vas-y, je vais faire start. Hop, je pense qu'on va arrêter là. Donc, c'est peut-être pas possible que je vous passe le live. Hein. De toute façon, je verrai si on a le droit, si on n'a pas le droit. Si on a... je m'informerai avant de le poster. Tout simplement, donc si on a le droit, je le poste. Après, à vous de voir, si vous voulez en continuer, moi avec plaisir je continue. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de montrer le jeu à ceux qui l'ont pas encore et qui voudraient le découvrir. C'est ça un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut pas spoiler. Donc je sais pas, je verrai. Donc j'espère simplement que ce live vous aura plu. La prochaine vidéo qui arrive, ça sera sûrement sur quoi?
Bon, soit GTA, soit Call of, hein, à vous de voir, vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez. Bon, je dis vous me dites dans les commentaires, je sais qu'il y a personne qui le dit. Mais voilà, on sait jamais. Je verrai ce que les gens ils proposent et ce que entre ce que moi j'ai envie de faire. Donc simplement, moi je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.